Salut les geeks, aujourd'hui on va faire du bricolage sur la NEC PC Engine, la console 8 bits. Ouais, j'adore les consoles 8 bits, ça en fait plein de bits. Mais pour en profiter, on va lui rajouter une sortie RGB. Et salut les amis et bienvenue dans Rétro Bazou. Aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale bricolage, spéciale tutoriel comment modder une PC Engine Duo. Voilà, donc là on va repartir de zéro les amis. J'avais vendu mon ancienne PC Engine modée. Voilà, j'avais besoin d'argent pour acheter des jeux, tout ça. Mais voilà, vient d'arriver du Japon des petites pépites telles que Star Parodia ou d'autres jeux qui sont à côté de moi que vous voyez pas actuellement. Du coup, je me suis dit, c'est le moment, les amis, c'est le moment de se remoder une petite console pour pouvoir lire ses CD en qualité RGB. Donc, bah écoutez, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir. Je vais vous expliquer tout le matériel dont vous avez besoin et on va se servir du microscope pour de confort, voilà, tout simplement. Donc, je passe en caméra, double caméra. Bon, très bien. Donc, je vais commencer par vous présenter le matériel que je vais utiliser. Alors tout d'abord un fer à souder, hein, c'est la base. Ensuite, ce qu'il nous faut pour lire du RGB depuis sa PC Engine Duo, c'est un amplificateur vidéo de type THS7316. C'est une toute petite chipset qui va permettre d'amplifier 3 canaux vidéo. Ça tombe bien, on a du rouge, du vert et du bleu, le RGB à amplifier. Donc la puce, c'est ça, c'est extrêmement petit, donc vous la verrez ben au microscope. Voilà, tac. Et bon, on a un petit socle pour pouvoir l'accrocher plus facilement et pouvoir surtout relier des câbles sorties et aux entrées. On a besoin également de 6 résistances, donc 3 résistances de 75 ohms très précisément, celle-ci on va les relier aux sorties de la puce, mais également 3 résistances de 3,6 mégaohms. Alors attention à pas les confondre, hein. Elles vont, alors si j'ai bien compris, elles vont servir de pull-up résistance. On va les relier. On va les relier des entrées jusqu'aux 5 volts. Elles sont très puissantes. Comme ça, ça évite qu'il y ait un état indéfini à l'une des entrées des puces. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai compris. Et enfin, on va relier entre le 5 volts et le ground deux condensateurs. Donc un 0,1 microfarad et un de 22. Voilà, c'est à peu près tout ce dont on a besoin. En plus de ça, je vais utiliser une PCB verte qui va me permettre, ma foi, d'avoir une esthétique un petit peu plus jolie à la fin. Mais surtout, que ça soit un petit peu plus facile à installer dans la PC Engine Duo après. Il n'y a pas de faux contacts, de trucs comme ça, de court-circuit. On ne voudrait pas. On la fixera peut-être. Alors j'ai un nouvel outil, je sais pas si j'utiliserai ici ou pas, mais voilà, j'ai de la colle à chaud avec un pistolet. Peut-être que si je trouve un emplacement bien comme il faut, alors là faut y aller mollo avec la colle à chaud, hein, si j'ai bien compris. On peut vite faire n'importe quoi avec. Bon, évidemment j'avais pas dit, mais il faut également du fil d'étain, hein. J'utilise fil d'étain sans plomb, donc qui n'est pas cancérigène, hein, c'est mieux. Et puis voilà les amis, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance dans le mode.
J'ai ma toute petite pincette pour attraper la puce. C'est un mode que j'avais déjà fait pour un Tenokoe, une extension d'une PC Engine blanche. Mais cette fois, on va essayer de l'installer dans une duo. C'est la première fois que j'essaie de l'installer dans une duo. Les pattes sont trop resserrées par rapport au point de soudure sur la PCB. Donc on va bel et bien être obligé de passer par le petit socle bleu. J'ai un petit modèle, un truc que j'avais déjà fait. Mais comme je ne suis pas certain à 100% que la puce soit encore bonne, peut-être qu'elle a grillé suite à des surchauffes, je préfère remonter un modèle de zéro. Mais là au moins, ça me donne le plan en image, en temps réel, de ce que je dois faire pour pas me tromper de sens. Ok les amis, donc je suis allé chercher mon flux de soudure fait maison. Et on va essayer de s'en servir. Concentré, il y a du dépôt en bas. On va essayer de s'en servir pour recharger. On va pas le remplir à fond, on va en mettre un petit peu pour tester. C'est parti, j'ai mis à chauffer mon fer à souder. On va essayer de souder cette puce. Alors, bien dans ce sens. Quel sens? Dans ce sens-là, voilà. Très précisément dans ce sens-là. Donc, écoutez, c'est parti, on va mettre du flux justement. Mettre là et là. Voilà, avec là le flux justement et que la puce colle bien, adhère bien un peu trop. C'est presque collé avec de la glu. Voilà, là on voit que les pattes touchent bien contact. Allez, on va se mettre comme ceci. On va voir. Ça marche. J'ai une des pattes. Écoutez, je pense que c'est bon pour la puce. On va vérifier si je reprends mon petit schéma. En toute logique, là, ça devrait être le gland. Carré. Ça m'a l'air bon. Et B. Ok, les mecs. Notre puce est bien soudée. Donc maintenant, on va essayer de la mettre sur la PCB verte. Montre au microscope ce que ça donne. Voilà, là ça traverse et vous voyez que ça vient ressortir. Alors oui, pas hyper bien, et vous voyez que là les tiges ressortent de l'autre côté. On va juste tout simplement venir les souder là, hein. Donc là on a bien la puce maintenant qui est rattachée et qui ne bougera plus. Donc l'avantage de faire ça, c'est que maintenant on va pouvoir souder tous les composants en prenant tout l'espace qu'il y a autour. Là, vous voyez ce que ça donne.
c'est sauté. C'est relié. Pas besoin de souder au-dessus, hein, ça va. Donc là, on a fait la moitié du travail, hein, déjà. Les deux condensateurs sont ready. Maintenant, on va prendre les résistances 75 ohms. On va les faire partir d'ici. Des sorties. Ouais, allez. Ce que ça donne, les amis, on a les trois résistances reliées aux trois sorties et aux trois sorties sur la PCB. Maintenant, on va s'occuper des entrées. On va déjà s'occuper des résistances. Alors, cette fois, il nous faut les résistances de 3,6 mégaohms. Ces trois résistances vont relier chacune des entrées. Bon, malheureusement que j'avais dit de faire attention parce que j'ai inversé les input et output, donc les résistances n'étaient pas bonnes, donc je les ai enlevées. Bon, bah on est parti pour commencer, hein, les amis, c'est pas grave, je me plante à un moment donné, hein. Vaut mieux que je me plante maintenant, là, que je m'en rende compte maintenant. Aïe, 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 je m'en veux un petit peu, enfin bon, c'est pas gravissime. On a remis les trois résistances des outputs au bon endroit. Je vous montrerai plus tard au microscope. Voilà. Voilà. Donc si on se remet sur le microscope, voilà ce que ça donne à l'arrière. Un gros pâté ici. Qui en fait relie les câbles là ensemble. Donc ça c'est le 5 volts, ils sont tous reliés au 5 volts et de l'autre côté il y a les reliés aux inputs. Voilà. Et ben ça y est les amis, c'est enfin terminé. Hop, je vous remonte le microscope. Le 5 volts en rouge avec les trois entrées. Ça rentre dans la puce. Voilà, qui est régulé par deux condensateurs. On superpose là, voulez-vous. Un de 22 microfarad, un de 0,1 microfarad. Et ça ressort de l'autre côté avec les outputs et le ground en jaune. Voilà, voilà, la PCB est ready. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est quand même un peu plus professionnel. Enfin, pas jusqu'à dire que c'est professionnel, mais on a un peu plus confiance en ça, en ça. D'ailleurs, je vais vérifier, j'ai pas fait tous les tests de continuité, je vais le faire vite fait, histoire de bien finir les choses proprement. Je vais refaire les soudures par le dessus. Là, la continuité, c'est pas concluant. Pas concluant, étonnamment. Ah, mais oui. Normal, c'est tout à fait normal. Et à la PCB verte et pas à la PCB bleue. Voilà, c'était tout con. Mais il fallait le faire. On reteste, du coup. Nickel, voilà, bon bah là cette fois c'est bon, ça y est, je rends l'antenne les amis, je vous laisse. Vas-y. Voilà la puce que ça donne à la fin. Sur ce, je vous fais des bisous,
Voilà les amis, vous savez maintenant comment faire une puce d'amplification vidéo de type THS7316 pour la PC Engine Duo. Si ça vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des modes RGB de PC Engine Duo. Sur ce, portez-vous bien, des gros bisous et à bientôt les amis, ciao!